think all the time. That means, when I use the word think, talking to yourself. Subvocal conversation. Moi je suis dedans, tranquille. Yo. Ah, yo, Fusio, yo. Yo, yo, les gars, ça va? C'est le bordel. Re, c'est le bordel. PF? Mais c'est quoi cette histoire d'endu là? Que j'ai entendu là? Genre la constitution, si tu montes la constitution, tu te fais instant? Tous! Ok. Les potes, j'ai le Discord en fond, histoire 2, ça s'est lancé. Du coup, vous jouez dans quel monde? On est sur nav, c'est le bordel, j'entends la strat. J'écoute la strat, je la bouffe à côté, c'est un bordel. Le livreur, j'ai pris des sushis et du riz avec du poulet. Par contre... Euh...
Oui, du coup, j'ai changé un truc parce qu'il semblerait que ça soit le bordel. Je suis désolé si je parle peut-être un peu fort, c'est parce que ça parle par-dessus. C'est le bordel. Tous Merci Fab, merci, merci. Merci pour le reçu le 4ème mois. Désolé, hein, c'est un live lancé vraiment sauvagement. C'est parce que j'ai reçu des trucs en mode connecte-toi, ça va se lancer, ça va se lancer. C'est le bordel. C'est le bordel. Je vais te traiter dans la mer, dis-moi si tu es ou non. Tous pas trop gros. L'intel dessus, je sais pas trop. Ah, tu t'es mis en plus des gars. Donc là, je parle pas parce que ça parle derrière. Il s'est mis en cuir. Ouais, j'ai pas la gemme là sur moi. Regarderai. GG 60 en tout cas. Je vous explique après pour le STR. Je vous explique après. Je vous explique après, je vous explique après. Merci beaucoup en tout cas, Poc. Je regarderai après. En fait, là, il y a 50 personnes sur le Discord. Du coup, j'attends d'être swap en plus petit groupe, sinon on va faire comme ça et tant pis. Si, si, c'est une guerre là, c'est une guerre. Contre des maraudeurs. C'est contre des maraudeurs, c'est contre des vers. Je sais pas trop comment ça va se passer, j'attends de savoir.
Tout le monde est là normalement à part Moment à qui j'ai envoyé un message et il n'a pas répondu. Voilà. C'est réglage de guerre, oui. C'est bleu contre rouge. Yo Visker, ça va quoi? Mais là je vais peut-être juste follow en fonction de... Ouais. PF, question. Pour le groupe streamer, c'est toujours genre on est en Rome quelque part ou pas du tout? Main group, du coup, point principal, centre. Ok. Ok, ok. Ouais, le noob. Non, c'était hier la défense des taxes. Là, c'est... Ah, quoique c'est aussi des défenses de taxes là. Donc là, on va pas trop parler, on va juste faire des gros. On va juste burst en fait. On va juste burst. On défend la maison des yes. Let's go les yes. D'accord, la maintenance, elle est finie. Elle est finie. Non, je te dis, j'ai dit, je te follow up. Si jamais tu dis, je reprends le relais. Dès que tu reviens, tu prends le relais, et puis voilà. Ok. Sachez que vous entendrez pas le Discord parce que il y a des gens. Voilà, je connais bien. Il va y avoir des mots, donc tranquille. Normalement, vous entendez pas le Discord, vous n'entendez que ma voix. Donc ça va être vraiment un Discord groupé ce soir. Donc si jamais PF die, je reprends le relais derrière. Donc tranquille. Voilà, voilà. Ils sont mutes. Voilà, ils sont mutes, pas de risque. Enfin voilà, on sait pas ce qui peut se passer, une dinguerie ou quoi. Et une fois qu'on aura fini ce GVG, on va manger. Pas manger encore. C'est trop vénère en fait. Pitié, j'ai faim. Ah mais Cole sert à rien là. PF, c'est petit-fils. Je vous expliquerai ça, ok? Je vous expliquerai. Enfin, j'ai plus de vie, de 12 000, je suis passé à 8 000. Ouais. Le L60, ça sera probablement après l'avoir.
On peut avoir les droits Discord. Attends. Y'a qui? Y'a P... C'est quoi les noms, chien? C'est quoi les noms? Dis-moi les noms, chien. Écris-moi les noms. C'est qui est dedans? PF? Tu peux mettre les droits sur chien, Bico, Charcanis, Linia, Alvor sur Discord ou pas? Et Alvor? Quatre. Allez, go voir. Allez, c'est parti. Les canons, les canons, les canons. Ouais, mon handicap, les canons. Oh, what the fuck? Regardez le CD, histoire de faire juste des go-in. Je suis là, je suis là. J'ai pas entendu que PF était mort. Ok, ok, ok. Ah, mais tranquille, juste. De toute façon, on garde la choke et le flag là pour le moment. On attend qu'il pousse et on compte. Ok, ok. Continue à pousser, continue à pousser. J'en remets une, j'en remets une, j'en remets une, j'en remets une. C'est pas. Je potasse, hein, je potasse, je vais être dedans, je vais être dedans. Bah,
Les dégâts de ces putains de canons là, les amis. C'est un bordel. On garde bien là. Go, just go en fait. Dommage. Le stagger à vie. Let's go. C'est contre les verts, c'est contre les verts. Tranquille. Mais de toute façon, on a fait ce qu'on voulait, c'est-à-dire que le call était lancé, go les chercher à l'arrière. Faut défendre un peu l'arrière aussi. Et enfin, c'était le gros problème. Tranquille, tranquille. En vrai, on est devant leur portail, gros. Vas-y, je refaille devant, je refaille devant, je refaille devant. Dans le paquet, go stun. Ça va être stun devant. Faites attention derrière là, il y a du back sur nos casters les amis. Un ou deux mecs là qui viennent derrière là, des cacs. C'est nice, c'est nice. Pitié les amis. Pitié, laissez-les sortir, pitié. PF sur la droite. Sur la droite, sur la droite, sur la droite, sur la droite. Nord-est, nord-est, nord-est. Nord-est, 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 nord-est. Ça sort, ça sort. Je vais mettre une faille, je vais mettre une faille, je vais mettre une faille. Maintenant, maintenant, devant là, devant là. Ça va être stun, ça va être stun, go! Tapez dessus! Déroute, hein. Laissez-les dedans. Let's go. I see. T'as personne au cul, t'as personne au cul. Attention, attention, attention. Je refais sur petit-fils. Je refais sur petit-fils. C'est stun. On recule, on recule. Reculez, reculez, reculez. Si vous pouvez, reculez. Juste reculez. On chope les gens dans le bac là, qui sont sur les casters. Reculez juste. On recule sur la choke là, entre les deux points. Tranquille, on attend. Ok, il y a PF, il y a du monde qui part sur C, du coup, il décale sur C. Ok, on se décale un petit peu là, ceux du B. On va sur la droite, tu me dis dès que tu reviens. Ok, ok.
Suivez, je vois les failles, tranquille. Venez, attention, il y a une faille. Vas-y, celui-là, sur le canon, faille sur le canon, c'est parti, maintenant. Ok, c'est bon pour le bac, on peut avancer dessus, PF. On peut avancer dessus. C'est repack. Ok. Je vais sur point. Oh, les canons, ça fait tellement de dégâts, les amis. Non, maman est pas là, c'est pas quoi. C'est normal. C'est normal que vous entendez pas PF. Devant la porte, je peux refaire si jamais au besoin. Y'a pas besoin. Ok, tu sais quoi, je vais AFK quand moi. Allez, c'est bon. Ouais. Sur leur canon qui hausse là. Allez. Trop chiant ces canons là. Oh putain, je vais chercher ça moi. Je refaille par dessus là derrière les canons les gars. Ça va être route, ça va être full route. Ils vont être stun. Route à droite là, on aide les copains à droite là. Avancez pas trop hein, dépassez pas les canons les gars. Revenez un petit peu, on redescend un petit peu, on se regroupe. Ok bah go bé. Passez bien à droite là, comme ça on prend dès la sortie de leur portail et on tombe sur le point. Ok, B ça a l'air clean du coup, ils sont tous devant leur porte. Hein. Ok, tranquille. Et ouais, on refait un cache devant leur porte. PF, c'est ça pousse et ils ont 3 canons actifs. Hein. C'est faille sur point. Encore sur la route. Hein.
de l'aide. On va aider les. Je suis sur point C. Ouais, tranquille, tranquille, tranquille. Il y a du monde sur C en fait. B, il y a du monde. B, je sais pas, Fayef. On monte un peu hein. Let's go. Je vais mettre faille sur Fusio, faille sur Fusio, derrière les canons là, si jamais il y a des gens qui suivent derrière, c'est parti, ça part de là. Non, un petit groupe là, non. Ouais, Vortex dans l'arbre là, Vortex dans l'arbre. Ici quand même. Vas-y, je reste là. Ouais, ils sont beaucoup. Adreno, je vais mettre une faille sur Ala. Ah, ok. Tranquille. Faille dessus sur le canon. Ça va être stun derrière le canon les gago.
let's go. Oh bordel. Un peu partout en vrai. Il est ok. Aïe aïe aïe, y'a pas y'a de veillures. Let's go. Let's go. Bon, le camion, la tourelle là, en face là, la tourelle en face là, ils sont pas mal derrière. Le camion. Profiter ça. Ah bah c'était celui que j'avais dit juste avant. Allez, battle token. C'est pour quand tu spawns dans le coffre en fait, pour aller chercher des potions. Regardez-le lui. Genre là je vais aller au fort. Fort perso. On y va. On va choper la Gatling qui est au-dessus du B là. Ça serait pas mal, je pense. Juste les pour défoncer là. Canon au secours.
go. J'arrive, j'ai failli aussi derrière là, juste après. Let's go. Il est 3:40. Tapis. C'est vraiment un tapis là. Un tapis compressé. J'ai faim les amis, j'ai faim. Alors j'ai faim. Au secours. Au secours. Non mais oui, c'est nerf, au secours. Un peu loin là. Au secours. De gauche. Ah, ils peuvent rien faire. Ils peuvent juste plus rien faire de toute façon. Bravo. Bravo, bravo.
Trop bien. Je vais 60 sur cette game alors. Let's go. Let's go. T'avais pas déjà ça? T'as bugué ou quoi? Dextérité. J'ai une porte, les amis. Non, j'ai pas eu le temps de changer mon titre de live, c'était le bordel. Bravo, bravo PF, bravo tout le monde. Bravo, bravo. Aïe, 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 aïe. Bon. Du coup, je vais... C'est bon, on passe sur l'autre Discord. Hop. Coucou. Coucou. J'ai pris mon 60 à la fin du BG. Ah BG. Ouais, nice. Ouais, ouais. Je suis 58 là. Passer 60. C'était propre, ouais. Là, c'était propre. Les gars. Ouais. Bah j'ai fait un peu de gold, hein. J'ai fait un peu de gold. J'ai fait 4000 gold. J'ai mis des trucs à la hache. Je les teste un peu. J'ai fait des gold. Oh. Oh. Je me promène ben avec une porte. 510 level, const focus. Mais au secours, la porte en or là. It's grand fortify on spell. Ah, mais Whirlwind, c'est le tourbilol, c'est pas pour moi. Zera, je me promène avec une porte en or, l'ami. Tu savais? Ah ouais, ouais, ouais. Porte en or. En or. Ah, c'est fini. C'est fini. Go farm truc d'alliance. Là, c'est pas action là. Ah, un pacte a tué Sylvanas? Ah, let's go, nice. Oh. Alors. C'est fini le tableau. C'est fini aussi. Let's go. On pourrait voir ça, mais. Oui, du coup, que je vous explique vite fait. Mais bon, c'est bizarre tout de même. En gros, on est allé chercher le full force parce qu'il y a un call qui est parti là d'un coup et juste qui m'a dit. Tu vois, faut que tu vois. Ok, ok, tranquille. Je vais regarder ça. Je crois que c'est demain le jeu déjà 23h. Yo, désolé. Yo, ok, mec. En fait, attends, moi j'étais pas du tout OP, d'un seul coup, il y a ma moitié qui arrive qui me dit mais oui, il y a plus besoin de rien là au tableau, les amis. Quoi? Plus besoin. Sur Discord, j'ai aucune notification, je fais c'est pas possible. Et en fait, j'ai allumé tout, machin, j'étais à moitié pas habillé, je me suis habillé assis et non, tout. Non, mais je pense que c'est cassé le tableau en vrai. Kamak à moitié à poil. Ah, j'étais sur le jeu. Donc en gros, totalement à poil avant d'arriver sur le jeu, voilà. Totalement et j'étais pas prêt. Donc en gros, on m'a dit par rapport au scale, on était devant chez eux.
Par rapport au scale, en fait, les bas level, vu qu'ils ont des attaques de dégâts de pourcent, en fait, même si t'as 12 000 HP, en fait, ils te démontent, en fait. Donc, vaut mieux full force. C'est cool, mais. Comme dans n'importe quel jeu, les stomps, c'est pas très intéressant. Exactement. Ah, c'est vrai qu'on a récupéré. Mais au moins, on a gagné. Et ça, ça fait plaisir. Parce qu'un stomp où tu te fais, où tu gagnes pas, c'est moins bien quand même. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Juste que je regarde la gemme là, il faudra qu'on se remette. Je vais en profiter, j'ai de l'azote pour respé mon arc. Voilà, c'est fait. Je gagne beaucoup. Bon bah on est reparti. Moi je ça va partir en quête PVP, hein. Je vais récupérer le stuff 60 de mon côté quand maman sera réveillé, enfin bien réveillé et pas énervé. Ah bah moi je dois faire aussi. Ah bah si tu veux, bah on attend Manu du coup. Tu veux qu'on attende Manu? Bon, on peut faire une rota sans lui, hein. C'est 10 minutes, 12 minutes la rota donc. Une minute, je vais attendre le tableau ici. Par contre, Juice. Oui. Il n'y a plus de tableau Everfall. J'arrive. En fait, en fait, Manu aujourd'hui m'a donné un bouclier épique T5. Et là, je viens d'en sortir un aussi. Mais je crois que niveau stats, le sien est meilleur. Je fais ça et j'arrive à Everfall. Regarde. Hein. Hop. Ok, j'arrive à Everfall. Ah bah attends, je vais regarder s'il n'y a pas des projets qui ont des pop ici aussi du coup. GG en tout cas tout le monde, les amis, c'était cool. PF, bah comme d'hab quoi. Je voulais pas trop mettre le son parce que PF des fois il sort des dingueries et tout. Donc c'était... Non, c'est fini le tableau. Faut que j'aille voir la table maintenant. Attends mais what? J'ai pas vu le skin. C'est une encre. What the fuck? Merde encore. Fais chier. Non là y'a tout. 10h. Ok c'est good. Oui de toute façon en plus de ça ils ont attaqué la pire ville. C'est la ville la plus hub du serveur. D'ailleurs monsieur, y a-t-il encore des invasions prévues puisque maintenant je peux y accéder? Bah aucune idée. Je crois Tuesday. Non c'est Tuesday, c'est tout demain. Je crois qu'il n'y a plus rien aujourd'hui là. Ouais, il n'y a plus rien. Demain, il y a 3 invasions par contre et 2 à la même heure. Ok. Ok. Ça, c'est pour les yes du coup. Et attendez, faut juste. Du coup, on était tous là, non? À part moment? Ouais, je crois. Ok. Donc, il y a juste 100 000. Ouais. Ça fait quand même 500 000 points. C'est ok. Ouais mais mes stats va falloir y travailler dessus parce que là je comprends pas avec le scale et tout là. Mais putain non le tableau. Bah en gros laisse le... Fais ça là. Et tu mets... Ah je crois que c'est 150-50. Pour le moment laisse ça et puis on verra par la suite. Tout simplement. Parce qu'il faut que, je regarde ça de plus près là du fait du scale. En fait si... Genre en gros je prendrais beaucoup plus cher face à des petits levels parce que du coup vu que mes HP c'est la même chose en fait, bah vaut mieux aller chercher des dégâts plutôt que chercher des HP. Parce que du coup un bas level quand il va t'attaquer il va taper un pourcentage et pas des HP, c'est un pourcentage. Faut voir Trash. Je vois pas ma consti. Elle est à 64 mais c'est... En fait tu peux pas monter... Il faut que tu fasses 150-50 pour que les gens comprennent en gros monter la force et 50 en constitution muni. Alors on avait dit quoi hier? Attendez.
GTR 2. God get to tier 3, the get increase HP. Et je vais peut-être pas faire ça maintenant. C'était le smelter, et le smelter c'est lequel du coup, juste histoire d'avoir, parce que sinon je ne pourrais pas faire les smelter, c'est ici hein. Parce que la forge j'ai déjà. Voilà les metal lingots. Parfait. Donc ça c'est bon. Et ça par contre c'est soit... Soit je mets 10 000. Au pire je mets 10 000 et tant pis. Hein. Let's go. Hein. C'est parti. C'est bon. Du coup c'est bon pour les quêtes. Le smelter T4 est lancé à Everfall. Et, et le tiers de porte sur les attaques. Merci monsieur le gouverneur. Vous êtes let's go, je l'ai tellement bon. Let's go les yes. Voilà. Non j'ai pas les commandes. Kenny. Ouais. Est-ce que voilà à quoi servent les taxes. Non. Ouais. J'ai des trucs pour toi. Arrive. Tu veux voir Mage. J'ai une surprise. Zera, t'es où? Tu veux voir Mage vite fait ou pas? Je suis à Everfall, mais attends. Faut que je fasse donne des trucs à Kenny là. À l'armoire. Hein. On va faire moitié. Il te faut un peu de place par contre. Oh c'est lourd ça. Et je vais vous faire, on va vous faire un site avec le 6, okay. Vous allez voir. Quoi d'autre? J'ai une attaque en plus, Jus. Ok, je suis en ville. Toi t'es le bassin, tu peux plus augmenter ta force. Mais par ouais. Exemple non, tu sais que vis-à-vis du stuff. Je me mets le coffre en bas des escaliers. Très bien. Kenny, où est-ce que t'es? Ouais. Regarde Kenny, mon arme. En bas des escaliers. Il est où, j'ai eu? Oh mec, ah, c'est une encre. Incroyable. Une encre de bateau. Oh, trop stylé. Insane. Et regarde cool. Ça, regarde ça. C'est ton môle. Regarde ça. Oh, le mur. Oh, le mur. Alors... Au secours. Oh bah dis donc. Bah le bonus force c'est light and heavy attack with a melee weapon gain grit. Grit. 25% de chance to mine another with a single swing. Voilà. Vous avez 25% de chance de remettre une attaque barre dessus. Donc en gros ces points là... Se monte en fonction attends. Du stuff. Enfin, c'est quoi, attends, force que vous avez sur de la ressource et j'arrive. Mais ça, c'est à cause du scale. Donc, à voir. On va. C'est un viewer du nom de Xalicus qui m'a dit: je pars en vacances, veux-tu ma stache? Ah ouais? J'ai trop dit bien. D'accord, je la donnerai à Kenny. D'accord, oui, s'il te plaît. Bah en fait j'ai changé pour full force parce que ce que j'ai compris Snitter à niveau 18 quand il te tape il enlève un pourcentage d'HP. Donc que t'es 7000 HP ou 12000 HP ça reste le même pourcentage d'HP qu'il va t'enlever. Donc en fait t'es un tank mais pas vraiment. Donc en gros c'est ça le truc. Donc en mieux vaut mieux mettre full force que... Le build heal est incroyable. Ah mais j'imagine ouais j'ai vu hein, j'ai vu. Là en fait j'ai un heal direct sur toi à 2000 toutes les 3 secondes. Ah mais c'est trop fort hein. Donc c'est vraiment incroyable. Donc là tout tes spells marchaient là? Ouais c'était parfait. Ok, bah en face aussi hein, ça marchait les artilleries et tout, j'ai pris des coups de canon. Hein. Donc, ah j'ai one shot 2-3 fois ouais. Je me suis fait éclater par les canons, 7000, 8000 de dégâts les canons au secours. Hein. Ah, par contre les go, quand on faisait des go avec 3 failles en même temps là, t'es en mode oh. C'est n'importe. Le perma faille était abusé. Ouais ouais, quand ça part hein. Ça part fort. Je suis à la forge là, en train de passer niveau 60. Ok j'arrive. Oh, 59 d'abord. Et plutôt que le jeu considère que vous êtes du même level, ça paraît bizarre que les dégâts ouais. Sèlent sur les PVMA. Bah je sais pas en est-ce vrai. Est-ce que je vais pouvoir bouger avec ça? Peut-être. Ouais, peut-être.
Alors ouais. Ah oui. Allez vas-y mec. Je sais pas trop. Allez vas-y. Ouais mais là il faut surtout que je mange. Plus vite, parce qu'en fait le livreur est arrivé et j'ai pas mangé moi. Oh le bœuf. Donc j'ai commandé les petits sushis et tout là mais du coup fromage en fait. Bon app. Juste bon app en fait. C'est vraiment le retour du roi en ville quoi. Ah je vais manger parce que j'ai pas mangé en fait. Shame. Non, pas il est là. Il est là, il est de retour. Regardez, Kenny le roi. Voilà, bon app, merci, merci. Un nouveau sac par contre. C'est l'angou as là. Des légumes et du poisson. T'as fait des outils T4 mec? Non. En vrai c'était pas mal. On a, pensez, ouais, on a un forgeron qui peut le faire, un ingénieur pardon. Attends je peux pas, enfin moi je peux pas les faire. Non mais on a un forgeron qui peut te les faire. Je peux lui demander s'il peut, il peut t'en sortir. Donc, quoi, tu me dis, l'autre adresse c'est lundi mercredi. Lundi mercredi actuellement. Phrase, pas, Moi je peux pas quoi. Lundi mercredi phrase. Mais avec New World et le fait de... voilà, on a fait la première semaine, peut-être pas cette semaine. Ça, à la reprise on s'y met. Bon bah parfait. J'ai un peu mal au genou et tout, je vais y aller tranquille et voilà, on va pas se faire mal dessus. Parfait, parfait. C'est cool tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire en... Enfin, je vais mettre les popos là. Ah, c'est vrai que ça... On fait quoi demain pour la guerre de 18h30? Il y en a deux. Il y en a deux différentes. Alors, non, il y en a deux à 18h30, ouais. C'est deux attaques, non? Je crois en plus, ouais. C'est le camp qu'Adrien a pris et l'autre elle est au sud. Bah, on pourrait faire. Je pense que la mienne sera assez peu défendue. Je pense. Elle m'a l'air surtout intéressante pour les jetons PVP et tout. Bah, go, hein, go prendre cette zone là. Alors, go nous aller sur cette zone là et pousser sur cette zone là plutôt que l'autre, quoi. L'autre, c'est la côté là, c'est celle qu'on a prise hier soir là. Cutlass Cade. À demain, je sais pas si je serai dispo, j'ai une OP sur New World. Mais. Non, en gros, il y a. Hey, Juice, tu peux pas avaler là? Oui, pardon, je suis en train de manger, j'étais en train de. Pardon. La bouche est interminable. Rick Water pour 18h30 et Cutlass à, 20... à 20h30, voilà. Cutlass, c'est 23h30. À mon avis, on devrait nous aller dans l'attaque la plus difficile, c'est-à-dire Monarch's Bluff. Monarch Bluff, désolé. Brightwood, je pense. Ah non, Brightwood. Attention, Brightwood. Ouais, Brightwood, ça va être chaud, je pense. Je pense que Cutlass va y avoir assez peu. Enfin, ça va être dur. Parce que. Ah, cela dit, Cutlass, ça pourrait être un territoire un peu. Non, Rickwater. Putain, je fais que confondre. Rickwater, c'est le territoire que j'ai pris hier. Et à mon avis, la ville n'est pas du tout up. Elle est nue. Donc, je pense que ça pourrait être. Peut-être une attaque facile s'ils ont aucun upgrade et tout. Nous on veut du content, on veut pas non plus où il y a personne quoi. Non mais je pense qu'il y aura jamais personne. Et en vrai, même s'il y a personne, prendre un territoire c'est toujours cool. Ouais mais je veux dire si on doit le live, c'est quand même plus cool si en face il y a du content quoi. Content. Ouais, c'était cool qu'on ait joué des gens qui jouent bien en vrai la dernière fois tu vois. Ouais grave. Je suis d'accord. C'est dans ce sens là que je dis ça quoi. Mais attends mais je suis muté ou pas? Merci. Ah merde. Brightwood, c'est pas à 20h? Il y en a deux qui sont à la même heure et une qui est pas à la même heure, attends. Demain on est le 27, il y en a une à 11h30 du soir. Ouais. Donc il y en a une à 23h30 à Cutlass. Il y a 18h à Brightwood et en même temps Rickwater. Donc en gros le choix c'est est-ce que c'est Brightwood ou Rickwater. D'expérience j'ai l'impression que ce sera Brightwood la plus jouée. Ouais. J'ai l'impression que ça traîne plus à Brightwood de manière générale. Sûrement, ouais. Donc la question c'est est-ce qu'on met pas une équipe A hyper stonks avec les mieux stuff, les mieux levelés à Brightwood et à Rickwater on met l'équipe B quoi. Parce que Rickwater en vrai, même si on prend la zone, c'est plutôt HL, c'est un peu moins utile, mais ça permet quand même de faire jouer les gens qui veulent jouer. Ouais, de bah ouais, on fait ça, c'est pas mal. Ouais. Donc, voilà. Les sushis, y'a rien de mieux. Qu'est-ce que t'en penses, Kenny Stream? À part les vrais sushis, ouais. Ah merde, j'étais. Ah, je me suis mis. Merde, je vous ai pas du tout écouté. Merci à Barton pour le 6ème mois, merci beaucoup.
Est-ce que je suis pardonné ou est-ce que la haine? La... pardon. Non, je disais, est-ce qu'on met pas l'équipe A à Brightwood et l'équipe B à Harry Potter? Oui, très bonne idée. Et l'équipe A, c'est nous, je pense. Après... si, non, si, vous avez raison. Non, dis, hein. Après, non, mais il y avait une moto en même temps, donc j'ai juste mis 2 secondes. Je reviens. Non, mais si, bien sûr, je pense que c'est une bonne idée parce que la plupart des gens qui jouent avec nous vont jouer à Brightwood. J'allais dire, on risque de jouer à Rickwater. Donc si on peut être sûr de la prendre, c'est bien. Mais en fait, je pense qu'il est possible qu'on prenne les deux. Donc pourquoi pas. Voilà, fin, finalité de discussion. Fin. Moi, j'ai pas. Je pense qu'on verra. C'est dur de savoir vu qu'on a pris en attaque la dernière fois. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, je vais m'inscrire à Brightwood. Je crois que je suis inscrit dans rien. Donc vous disiez qu'on n'était pas obligé d'être dans la ville pour s'inscrire. Si, si, faut aller au tableau. Si, t'es obligé d'aller au tableau. Ouais, c'est des gens qui connaissent rien au jeu. Ouais. Les gens qui n'ont pas joué, quoi. Donc Brightwood, suis-je inscrit? Comment je vois si je suis inscrit? Après, tu l'as... En fait, si tu vas dans... Si tu vas sur la carte... C'est l'entrée, ça. Ouais. Et que tu cliques sur la ville en question, tu as un view status qui doit être à la place de... Et là, de tu vois, du coup, mais... t'es inscrit et tu sais quel est ton statut si t'es en ligne d'attente. Ouais, ça, il n'a pas de board, du coup. Donc là, c'est que t'es pas inscrit. Et ben, let's go, je vise au tableau. Tu me laisses faire un jeu ou quoi? Du riz encore. T'es mieux de juice. Merci beaucoup, Blendelit, pour le Prime. Bon, c'est cool, on est 60. Ça fait plaise. Fait même archi plaise. Je vais me TP sur les zones de farming. Est-ce que c'est fini l'invasion à... Simplement. Ah, c'est pas fini. C'est quand l'invasion des bonnes scale? Et bonnes scale. On tente une vraie invasion tryhard, genre on essaie de la passer vraiment quoi. C'est le 27, c'est demain à 16h. C'est trop chiant parce qu'en fait l'invasion des bonnes scale elle empêche de faire les quêtes PVP. Ah! Enfin, c'est pas qu'elle empêche, c'est qu'elle complique à mort. Genre tout à l'heure, j'y suis allé seul comme j'ai fait pour Rickwater hier. Ouais. Et il y a vraiment une partie très dure où t'as gros des mobs de faille niveau 65 en même temps que les tigres de merde que tu dois buter. Donc c'est un peu. C'est un peu compliqué quoi. Le bordel. Ça se fait, mais c'est compliqué. Mais là, Kenny, tu go 60 là. Ouais, voilà. Je suis en train, ouais. Allez. Ok, let's go. Allez, jump. Toi, Jules, tu go quête PVP, là? Ouais, on va quête PVP. Ouais, bah, je vais venir avec toi. Hein. Je vais faire ce travail à la ville et on va voir Ekaromal qui va nous suivre pour dépecer les porcs. Porcs? Oui. Il va nous suivre pour dépecer les porcs, mais c'est une très mauvaise idée, parce qu'en fait, on va devoir le protéger de tout ce qu'il a gros. Et c'est un peu relou. Voilà. Aïe. Donc, je pense pas que ce soit une bonne idée. 59! GG! Bravo! Allez, bravo, plus qu'un milliard d'XP! Vous pouvez m'envoyer 200 000 gold s'il vous plaît? Pour passer niveau 60 là. T'as plus de gold là? Non, je rigole, j'en ai un peu, j'ai genre 4000, c'est énorme. Moi j'ai plus de gold là. Parce que j'ai vendu tout ce qui coûtait un petit peu chez moi là. Ah enfin! Mais en fait, je stack et là j'avais la stash pleine malgré le fait que j'ai les deux coffres et tout, j'étais en mode. Alors? Ouais, bah ça va, si t'as stash pleine, tu devrais pouvoir faire ton niveau non? Ouais, j'ai beaucoup. Je vais faire le tour des villes là et de toute façon et je vais faire le double tableau là. Non mais merci. Triple tableau. Le double parce que je viens de finir Everfall et là je vais aller aux deux autres. Ah oui. Caromal, ouais t'es niveau 30 mec, c'est mort. Hein. En vrai niveau 30, il va se faire tout shot par tous les mobs, il va aggro de très loin. Moi je pense que c'est pas une bonne idée je pense. Voilà mon PDV. Pour la question. Soit un ninja. Soit juste un ninja en fait. En fait, il pourra pas l'être. Non, mais il peut mettre le petit camp, tu vois. Il dit qu'il voit que c'est clean, il go en fait. Il reste loin. Le problème, c'est que c'est pas lui qui va être gêné, c'est énormément nous. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Comprends. En fait, on va pas le laisser crever, tu vois. Et si on le laisse pas crever, ça veut dire qu'on tue tous les mobs. Et si on tue tous les mobs, bah. Si la rota passe de 10 minutes à 20 minutes, c'est plus la même chose, tu vois. Bien sûr. Je comprends. Bon, tu peux en tester une avec nous, hein. Tu peux en tester une. Mais je pense que c'est dead. Ah, tu me. Ok. T'es en train de le faire. Ah, mais sauf si tu. Ouais, non. J'allais dire s'il se met en PVE, mais rien à voir. Go.
C'est pas sinon je vole la maîtrise. Ok. Ignorez-moi, je meurs, je meurs. Ouais, mais on peut pas t'ignorer. En fait, premier mob que tu vas croiser, tu vas mourir. Genre là, sortie de zone, premier bison. C'est archi bon ce que je suis en train de manger. Au niveau 62. Au secours. Hein. Dans la war, j'ai fait 21 kills, 2 morts, 207 assists. Wow. Ouais, c'est ouf. Quand même, hein. Ouais. C'est ce que j'ai acheté. Des boulettes de poulet là avec du riz et des poivrons, merde. Pom 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 pom. Flagged for PvP. Zeus! Flagged for PvP. Tu regardes l'event de Kamel à côté, Kenny? Ouais, tout à fait, ouais, je regarde. Ouais. Pas mal, hein? Ouais, c'est très très cool, hein. Moi, je regarde sans. Dommage qu'on soit des geeks, hein, parce que sinon on aurait été là en mode. Allez, allez! C'est vrai, c'est vrai qu'il nous a invités. On a vu nos pays. Merci, c'est Bi, merci. Vrai, bon, moi merci pour le 30ème. 5ème mois, au secours. Non, mais pareil, hein, on va vous donner, on va faire un giveaway pour les 5 dernières clés, les amis. Bi ready. Mais sinon, j'y serais bien allé, ouais. En tout cas, c'est trop cool que ça ait lieu. Vraiment, ça me fait trop plaisir trop pour bien. Eux. Surtout que là, ça commence à être re un peu la merde pour l'événementiel, là. En train de retomber. Je leur ai fait un petit tweet histoire que ça. Les gens qui s'y intéressent pas, ils aillent voir. Parce que les events IRL, c'est... il faut qu'il y ait du soutien pour les événements IRL dans le gaming. Il y en a tellement peu, c'est si dur à faire, ça coûte tellement d'argent, c'est irrentabilisable. Donc c'est important qu'il y ait du soutien. En gros, là, Juice, regarde, là, je rentre ici. Oui, oui, je t'écoute. Là, je rentre ici sur la map. Je fais le. Je longe le trait de la zone. Et je t'attends. Ouais. Désolé, en vrai. Je suis en train de manger en même temps parce que je m'attendais pas du tout. GG 60 sur le chat, les amis, si vous voulez remporter une clé bête, la chance. Je zoome ma map et en fait je longe le trait quand tu zoomes à mort. Tu zoomes à mort ta map. Ah oui. Merde. Je vois, je vois. Je longe le trait et quand j'arrive au-dessus du 1, je vais le chercher. Je crois qu'à 2 vous pouvez down le loup alpha. Non, mais c'est de la grosse merde. En fait, le loup alpha, si t'es plus de 1, c'est de la merde. Et même si moi je suis stuff, c'est de la merde. C'est juste que hier j'étais unstuff et je venais d'arriver dans la zone, donc c'est un truc qui pouvait me touch shot. Mais fais gaffe, faut pas que tu sors de la zone par contre. Là, justement, tu sors de la zone. Et bad. Comme ça, ça te fait descendre le timer. Voilà. Et là, je tourne. Je cherche l'item de quête. Et donc là, il est enclenché, c'est ça? Et là, en général, il y a un ou deux boards, voilà, là-bas, pour la quête. Et là, il est enclenché ton chrono, toi, de ton côté? Ah ouais, du coup, j'ai là, dû non, sortir. Justement. Non, là, ah. Non. Là, okay, on okay. Est sorti pour faire cette quête, là, justement. D'accord, d'accord. Là, il y a un board. Merde, j'ai raté. Voilà. Ok, ensuite, ah oui, il y avait Caromal, j'avais oublié. Et là, je remonte, tu vois, là, je remonte vers le 1 en cherchant les boards. Ouais. Voilà. 15 d'azote, merci le board. Board. Mais j'ai un harpon dans le dos, quoi. C'est trop bien. Trop trop cool. OMG non, le loup alpha. Vas-y, on le tue. Je te l'amène. Prends tout. Est-ce que tu peux tout prendre, tu penses? Ouais, je peux. Putain, ils sont pas restés dans la faille, ça dégoûte. Ça. Oh, t'es immortel, de toute façon, je te le dis. Le même face tank. Après j'ai enlevé mes HP là. Ouais. Parce que ce que j'ai compris, c'est ce qu'il se disait tout à l'heure, les HP, si tu en as trop, tu te fais éclater par tout le monde en fait. Parce que ça scale sur les dégâts scale, de... Ouais. Ouais. Donc, du coup j'ai un pourcentage HP dans le jeu.
Du coup, ça crée des mathématiques un peu bizarres quand quelqu'un de trop haut level tape un trop bas level. Ouais. Donc j'ai mis 8000 de force. Une équipe un peu délirante d'un niveau 10 qui presque no match en level 40 par exemple, tu vois. Ah ouais? Ouais. Mort. Enfin, en vrai, le level 40... en gros, si le level 40 joue normalement, il peut pas perdre. Mais juste, il faut rien rater, quoi. Et ça fait bizarre quand t'es level 40, t'arrives sur un niveau 10, tu dis « Oh, je vais le casser en deux », alors qu'en fait, 0. Ils pas assez fort. Ils sont pas dans la zone. Ouais, je sais. Les pauvres... Une encre. J'en ai un à gauche. Par contre, c'est vraiment... Je sais pas comment on pourrait faire, mais c'est... Dans les batailles, en healer, on voit jamais où est notre groupe. C'est un peu ouais, de la merde. Difficile. Même des fois, juste un moment, t'as dit « Ouais, venez sur moi et tout. » Ah, sur moi. J'ai tourné la cam partout pour chercher mon photo. Oh, j'étais en mode « Ok, je l'ai trouvé, mais j'ai eu de la chance, quoi. » Et en fait, je pensais ouais, aussi. Ouais. Vu que nos heals ont zéro de range, en fait, faut jamais que vous vous éloigniez de nous. Non, mais je pensais que vous étiez dans mon dos. Enfin, en fait, c'est ça. J'ai complètement zappé de regarder derrière moi et j'allais tout droit. Tu vois, pour moi, on était genre, c'est à faille, on avance. Quand t'as un cac, c'est dur parce que tu dois te dire où sont mes alliés, il faut que j'aille sur les ennemis. Enfin, c'est dur en vrai. Et Peach, pourquoi tu t'assois sur le clavier? Au secours. Au secours. T'as pas mangé du riz? Ouais, toujours là. Toujours debout. C'est là, hein, la quête. C'est là. C'est... Ouais, c'est bon, ça. Allez, bah, on retourne sur la route. Bah, tiens, il y a un petit boar là. Ça lui fera du dépeçage. Ah! C'est dommage, j'aurais tombé dans le chat. Ouais, tranquille, on va retravailler dessus ce soir. Et puis voilà. Auto-attaque et c'est toutes les secondes. C'est incroyable quand même. C'est trop mal. Bon, on trace, hein. Ouais, vas-y, go. Ah bah, j'ai perdu. Vas-y, trace, hein. Ouais, je trace, hein. J'arrive dans 20 minutes, là. C'est là. Blink Stella! Beat of a hacker. Ok, déjà Starwind. Oui. C'est vrai que je vais devoir t'attendre. Bah ouais. J'avais pas pris en compte ça. Mais après, tu peux les faire, hein. Je cours derrière. Sinon, je me mets. En léger, quoi. En vrai, tu pourrais, hein. Mais t'as du stuff? De quoi? En léger, non. Qu'on fasse les quêtes PVP en light. Ah oui, pour aller vite. Non, mais je me mets et à poil, vrai, tranquille. Mec, prends-toi un bâton de feu, monte la maîtrise en 2 spins niveau 5 et tu fais des dash, hein. Franchement. Ouais, mais ça ira pas. Enfin, ça suffira pas, c'est surtout la roulade, en vrai. Tu vois, en bâton de feu, il a la maîtrise pour avoir le dash niveau 2 qui booste ça, enfin, qui fait x2 en longueur, tu sais. Tu sais que le dash du bâton de feu sans le boost, une roulade c'est mieux. Hein. Ouais, il faut quand même avoir le full point, mais. Le Blink Stella Vanilla est vraiment horriblement à chier. Après, il va quand même plus vite que courir, mais la roulade est aussi bien. Quoi. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je sais pas si c'est un jour. Merde, c'est pas par là, Ico. Aïe aïe aïe, c'est pas par là. Ouais, je crois qu'il y a un joueur qui nous a tiré dessus où on est allé. Quoi? Alors, quand on était en train de partir là, il y avait des coups de feu dans ma direction. J'étais en mode, mais c'est qui tire? Y'a un mec qui fait sa quête ou quoi? Mais y'a un ennemi, genre? Peut-être, ouais. C'était un ennemi qui était dans les bois. What the fuck? C'est perdu ou quoi? Pas. Après, des musqués, hein. C'est Muljus. C'est qui parle, merci beaucoup pour le Prime Gaming, bienvenue, désolé les amis d'avoir je suis arrivé. De manger en fait.
Et bordel. C'est 200 mètres d'avance, c'est de secours. Non mais c'est... C'est... Ouais. Pas grave, je mine, hein. Bah ouais, 60 chatouilles, ouais. Bon, du coup, Eka, c'est worse là ton dépeçage? Bah, ça doit l'être, hein. Parce qu'il tape des mobs qui pourraient jamais dépecer normalement. Ça devient long, le pex du bois. 40 par mob, pas dégueu. 2060 XP? What the fuck, en fait. Deux. Il prend 2060 XP pour le métier. Ah ouais, par dépeçage, trop marrant. C'est vrai que les points, c'est vraiment la stonkerie ici. Hein. Pas mal en vrai. Real Pensez stonking. À point d'exclamation claim, les amis, pour valider votre win. Ouais, sinon, ça sera redistribué, bien entendu. Et du coup, quand t'as fait la quête, tu peux monter jusqu'à combien de jetons? 25 000, c'est capé à 25 000, c'est trop nul. Ok, ok. J'étais dégoûté quand j'ai vu ça. Dis pas ça, tu. Je suis dit, oh non, trop nul. Vénère. Ça s'est passé aussi tout à l'heure comme ça, c'était trop drôle. Imaginez si tous ces gens étaient des primes. Ouais. Bientôt. T'es mieux de juice. Non, je le suis, j'ai up, j'ai up 60 dans la win de la GVG. Le BG c'est fini, j'ai up 60. Mais Kenny, t'es 60 là? Non. Ah, il y a écrit 60 sur mon écran, énorme. Ah non, je suis 59 là. Mais vraiment 59? Ah ouais, je suis 59 et 4 bulles là. Il y a aussi écrit que tu fais partie de la guilde de Kamak, donc bon. Quoi? Bah ouais, j'ai quitté la mienne là, je l'ai donné à Ekaromal. Mais c'est pas sérieux. Mérité. Mais c'est pas sérieux. Avec ouais, je suis un peu mourir là. On fout. Fini. Hein? Non, ça va. Non, j'ai cru qu'on t'avait invité et tout, machin. Non, je suis cool, moi. Ah, mais moi j'y ai cru, c'est quoi? Non, ouais, il a été ban la Kenny de sa guilde en fait. Non, mais j'y ai cru, c'est quoi, en mode. Non, parce que bon, ça aurait été le meilleur transfert de ma vie là. Oui, du coup, c'était les gens qui ont gagné. Tu vois, j'étais là. Dont leur pseudo a été dit par le bot. Il faut mettre une exclamation claim pour valider votre trésor de guilde. Oui, toujours à 17 000. Je me suis dit, comment on a payé quoi, tu vois. Si vous avez pas gagné et que vous mettez point d'exclamation claim, vous allez être time out. Peut-être dû le dire avant. Mec, y a Win qui a fait la commande météo, quoi. Si ça marche. Juice ? Oui, Kamak. J'ai une question à te poser, mais c'est mon chat qui me pousse à te la poser. Vas-y. Je suis en train de faire une commande pizzeria. Je connais déjà ce que tu vas dire et c'est non. Attends, justement, moi j'aimerais te poser la question officiellement. Oui. Qu'est-ce que toi deux tu me conseilles? Deux secondes, j'arrive. Qu'est-ce que tu prendrais, tu vois, voilà, pour, tu vois. Si c'est quelque chose que je ne connais pas, genre si c'est un nouveau resto ou ce genre de choses, la première chose que je prends, c'est toujours une margarita pour voir la qualité de la pâte et de la sauce tomate. Toujours. D'accord. Et après, c'est la calzone. Moi, c'est la calzone, c'est ce que je mange généralement. D'accord. Oui. Et en fait... Ok, vas-y. Moi, c'est juste la calzone, en fonction de comment elle est faite, c'est un gros test de la pizzeria. Genre si l'œuf est dégueu dedans, en France on met des œufs, en Italie parfois non, voire quasiment pas. Mais en gros si l'œuf dedans est dégueu, c'est qu'ils savent pas la cuire. Donc je change de pizzeria en fait. Quand tu dis dégueu, c'est il est pas cuit ou... Il est pas vraiment, enfin il est gluant quoi, il est bizarre l'œuf tu vois. Ouais, ok. Ok, et qu'est-ce qui n'est pas pour toi normal d'avoir sur une carte de pizzeria? En parler là maintenant là? Non mais c'est juste savoir si je commande, tu vois, je veux pas commander un truc qui te fâcherait, tu vois. J'aime pas
J'aime pas juste des choses tropicales mises dessus en fait. Mais il veut vraiment faire ça, je vais finir par le mute, oublier son chat en fait. Non mais la nana, je suis d'accord. D'accord, la Wayne c'est ok. Ouais. Mais par exemple, je sais pas, les choses qui sont plutôt taguées, tu vois, les Savoyards, tout ça. Ah non, mais c'est bon les Savoyards. Ah, c'est ok. Go Savoyard, Joe s'il a dit Savoyard. Non, mais y'a aucun problème avec des pizzas à base de crème blanche. Enfin, de crème blanche, y'a aucun problème. Ok, très bien. Okay. Non, c'était juste pour être. Oui, y'a pas de problème. D'accord, très bien. C'est juste la Hawaiian quoi, on a pas le droit. Oui, j'ai un problème avec ça. Mais... La Hawaiian, ok, j'aime ça. Ah, j'ai un problème avec ça et toutes les créations de Satan là. Genre des framboises avec des avocats ou je sais pas quoi là, j'ai vu, c'est vrai. Au secours. Oui, d'accord, ok. On est d'accord. Ok, très bien. Merci de ton expertise. De rien. Bon, j'essaie de suivre Zera tout en mangeant, c'est chaud en vrai. Hein. Archi chaud. Jamais touché. Maintenant, je vais essayer de taper Calamas. Vu que j'ai mon point de axe. Ignore. Let's go. Ouais, on a fini le jeu là. Tu as terminé le jeu. Maintenant le jeu commence. Juice. Oui. Dernière question sur le même sujet. Quel est ton avis sur la présence d'éléments aquatiques de type saumon? Tu veux me pousser à bout? Non, c'est ton objectif. Je me renseigne. Non, mais tu me pousses à bout en vrai. Je me renseigne. C'est. Voilà. On est sur quoi? Un outrage? On est sur une révolte? On est sur une acceptation? On est sur un truc archi bizarre. Mais tranquille. Mais tranquille. Tranquille, ouais. On est sur un truc bizarre, mais tranquille. Non, c'est horrible, mais tranquille. D'accord. Ok. Merci. J'essaie de pas péter un plomb, y'a aucun problème. Ok, merci. Aucun problème, encore. Ah ouais. Saumon, chèvre, miel, au secours. Est-ce que tu peux arrêter d'être embêtant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ah ouais, tu veux prendre le câble de ma souris? Je vais mettre le sans fil, hein. Vas-y, je mets le sans fil. C'est bon. Voilà à quoi servent les câbles sans fil, en fait. Quand vous avez un chat qui veut trop jouer avec, hop, plus besoin. Putain, mais qu'est-ce qu'il veut ce porc? Attends frérot, il m'en manque deux aussi. Ouais, si Manu va se réveiller. Je lui ai envoyé deux messages pour l'avoir. Merde. Oh, qu'est-ce que c'est chiant. Non, prends pas trop la grosse Sylvarisette. Je crois que j'achète le stuff. Mon mec est réveillé, il est en jeu là. Ouais. Pour 1000 XP. Pas mal en vrai. Il faut un dernier sanglier. Je crois que là il y en a un.
Ah, il a trouvé un. Let's go. Et donc du coup, là, il en prend ça. Ah, j'ai fait que 24 secondes dessus. Il se barre tellement vite, Adrien. C'est passé quoi aujourd'hui? Ben, on a up 60, on a gagné notre défense, et là, on ferme le stuff pour les insignes de faction. Tout simplement, voilà ce qui est en train de se dérouler en fait. Faut que je finisse mes secondes. J'ai pas eu le temps d'y aller. Il y a encore 10 tirs. Hein. Parce qu'il y a... Je crois qu'il y a un mec dans un arbre là qui tire. Vraiment le move de la seconde quoi. Le 1 MS. Merci beaucoup pour les GG level 60. Ça fait plaisir en effet. On va pouvoir faire j'espère plein de choses. Aller voir de nouvelles zones, voir des gros trucs. Peut-être essayer de faire une invasion où on gagne pour une fois et 1 million de points par tête. Vous imaginez le nombre de points. Pas mal hein. Il a genre 330 mètres de plus que moi. Liche de maîtrise. Faites quand le donjon 45? Bah quand les copains en auront envie. Malheureusement. En fait, la dernière fois c'était bugué. Du coup c'était chiant. On n'a pas de retour vis-à-vis de ça. Donc on attend. Pour pas que se retrouver avec encore une clé cassée. Voilà, voilà. Oui, je viens de me rendre compte, Gunworld. On m'entend sur le live avec Amak, c'est ça en gros? Sur le live Azera. Azera, c'est mute. Zera a cut. Ah ouais? Oui, la cut. Ah. Ouais. Hey no. Yep, yep. Imagine. Je peux pas le groupe. Laissez-nous faire. Ah. Et quand il fait ses bails, il est pas stupide, il sait jouer au jeu. Pour moi, il faut que je rende une quête et que j'achète des trucs. Ok. Bon, du coup, je vais pouvoir acheter dernière pièce. Oh, elles font 525. J'ai plus de gold pour acheter mes items. Je suis en train un petit peu d'argent.
must move on to more important questions. Bah rien. Oh. Merci Noxy. Je vais prendre des taxes. Des taxes, pardon. Je crois que je vais acheter mes armes d'abord, non? 15 000, ça sera pas mal. Je sais pas, je vais voir. Je verrai au prochain. Et merde, j'ai pas pris les quêtes. Hop. Idiot, j'ai juste faim. What the fuck? Merci Dioxys pour les Golden G. Merci beaucoup. Je vais ça après. Juste pour couvrir ça pour pas que tu mettes sa tête dedans. Ce serait terrible. Hop, voilà. Comme j'ai dit à Zera, je vous laisse, merci. Pas de soucis, gros. On en fera ça tranquillement, sans problème. Aucun problème. Bon. Manger assis en speed alors que je voulais être canap, bonne soirée. Riou. Oui, je suis cap à 25k en effet, ouais. Bah, de toute façon, va bien falloir faire une quête. Je sais, bah au pire je vais prendre des petits trucs et essayer d'aligner. En fait je vais peut-être acheter genre des potions ou quoi, histoire de m'aligner et puis je perdrai un petit peu dessus en fonction. On va voir, je vais voir comment je vais gérer ça, au pire je perdrai sans insigne quoi. Merci Akikaze. Ah. Pas 26k le cap, pas peut-être, je sais pas. Pas du tout. Bon, je vais essayer un peu de le suivre parce qu'en vrai, voilà quoi. Ah, j'hallucine que la masse, ça soit une encre. Pourquoi? Enfin, que l'encre, ça soit une masse. Ça, je crois que c'est un lège. Hein. Faut cliquer dessus, je crois. 2-3 fois que je passe, mais ça m'a l'air d'être un lège. Non, pas un lège, mais un truc épique. Hop des métiers ou pas du tout? J'ai hop des métiers, oui, en effet. C'est ce que j'ai fait. Péter un plomb. Let's go. Pas trop ce qu'il a, mais ouais. Une hache tronçonneuse, j'imagine. Je dis qu'il faut que je tape avec la masse et je tape avec la hache. Idiot. Bon, je sais pas comment il fait à pas déclencher le... Enfin, il déclenche le truc. C'est chaud quand même. Ah si Gigi. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour le resub. Et le 70e mois. Merci beaucoup.
Mais il meurt jamais, AFK. Il meurt, c'est qu'il est AFK. Force de Horde. Non, c'est le truc. Il en a rien en maîtrise en plus. Hein. Il donne vraiment rien à maîtriser. Sono con la nonne. Elle a bien raison. Fais bien un bisou à ta nonne. Un bisou à la nonna. Elle a raison de te forcer à parler italien. Une très belle langue. Même si les gens y mettent des ananas dessus. Quel gâchis. Vite que le jeu sorte, je m'ennuie. J'ai envie de monter sur la bêta. T'étais pas obligé de monter sur la bêta en vrai. Vous aurez acheté vos jeux. Vous aurez pu juste farmer, voir ce qui se passe. Oh, tu sais italien. Si, si, sono italiano. Sono nato a Napoli, nel 98 sono arrivato in Francia. Non, ananas, non, non, c'est mamie, les amis, what the fuck, en fait. Je suis sûr que vous le savez en plus. C'est de la Toscane. Vido, vido. Papi, c'est nonno. Nonno e nonna. Mexique, on parle espagnol. Oui. En fait, en Amérique du Sud, on parle espagnol à part au Portugal. Je crois. Oh, il doit y avoir d'autres pays qui parlent portugais en vrai. Non mais je rigolais hein. Fais pour la GVG Juice. Yep, merci, GG à toi. GG à toi. Je t'avoue que je m'attendais pas du tout, j'étais à semi endormi sur mon canapé, j'attendais la bouffe et toi. Enfin la... Ouais, tu vois j'arrive pas à parler, la bouffe et tout, je me... Genre vas-y, let's go, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ouais, au Portugal on parle italien, c'est ça. Et c'est quoi la blague en fait du Portugal on parle italien? Ah oui, tout à l'heure. Au Brésil on parle portugais, ouais. Ouais. On parle pas brésilien au Brésil, on parle portugais, ouais. Ouais. Baby, c'est le calcio. C'est cause. Sous Copa Europa. Oui, si. Obviste, obviste. La française c'est un Guyane hein, et anglo sur Iniman. Oui, oui, c'est sûr. Je trouve que dans la sonorité, le portugais, c'est un mauvais mix entre allemand et espagnol. Bon, moi j'aime bien la langue portugaise en vrai. Je trouve ça vraiment mignon. Tout comme l'allemand, tout comme le russe, tout comme le suédois et le norvégien. Ouais, je suis beaucoup. C'est il calch, non? Lo calch. Lo calch, c'est ouais. Napoli, c'est en Sicile, tu es sicilien? Non! Allemand, mignon. Bah, moi, j'aime bien l'allemand. Portugais, c'est super sympa, mais l'allemand... Moi, j'aime bien l'allemand, en vrai. J'aime bien la langue allemande.
T'apprends l'allemand, tu peux parler toutes les langues du monde. Aïe aïe aïe, vous allez nous l'énerver. C'est pas un mec énervé qui crie, c'est pas du allemand en vrai. Non mais oui. Je t'ai dit, t'es Mansoud. Aïe aïe aïe, t'as mis... Aïe aïe, le footballon. Ouais. Moi aussi, c'est beau. Il y a plein de langues. Hello, mein Schatz. Tu racontes, je fasse ta gueule. Salut, Kalimutso. J'aime bien le mot Krakenwagen. C'est quoi ça? Horrible allemand, LV2, j'ai réussi à dire des phrases complètes sans erreur. Moi, j'aurais bien aimé apprendre allemand, mais quand on m'a donné le choix, j'ai regardé mon père dans les yeux, je lui ai dit, parce que mon père avait travaillé à Francfort quand il était plus jeune. Il était dans la construction de ponts à l'époque. Il avait travaillé en Allemagne beaucoup et beaucoup en Italie. Et genre, il était en mode, il m'a regardé, il fait non, je vais apprendre l'espagnol, je pense. Non, espagnol. Il avait écrit espagnol et allemand, et j'étais en mode allemand. Il était non, espagnol. Du coup, je sais pas si je l'ai fait gratuite. Attends, mais je crois que je l'ai rendu gratuitement celle-là. Je me suis trompé de fou. Attends, gros, je dois acheter une hache. C'est bien la dernière, hein. Je passe pas de conneries, j'imagine que oui. Oh, elle est belle. Let's go. 25 000 quand même. Hein. J'ai pas pris les quêtes. Ouais, mais Adrien va trop vite. Ça me perturbe de fou. En fait, j'ai peur de... Bon, de toute façon, je le rattraperai jamais. Et ouais, mais ouais, bah ouais, mais je fais plein de trucs. Vas-y, c'est bon. Je vais y aller à poil dans sa zone. C'est bon. Toujours médium. C'est bon aussi. Moi aussi je peux faire des roulades. Il avance comme ça lui. Plus le bâton. En fait quand t'es en plaque, tu peux pas faire de roulades. Vous voyez genre ça avance vite, la séminaire remonte très vite. Et en fait, Zera, il fait ça tout le long. Plus, il prend son bâton en feu et il dash. J'ai eu peur. J'ai eu méga peur. Et lui, il fait trois roulades parce qu'il fait un truc en plus. En fait, je crois qu'il fait tac, 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 tac. Je sais plus ce qu'il fait. Vous en avez parlé la dernière fois, mais j'ai pas écouté parce que j'étais en plaque. Enfin, moi, j'en ai pas besoin, je fais pas de roulade, moi. Mais en vrai, j'ai envie de tester un truc. Ah, j'ai envie de tester un truc, mais... Je vais me faire lever. Enfin... En fait, hier j'en parlais un peu à Drag. Tout à l'heure, c'est marrant parce que j'ai vu PKLM avec. Mais genre, il y a le. Ah, mais c'est Manu qui tirait tout à l'heure dans la forêt, mais il nous rejoint pas. C'est sûr que c'était Manu qui tirait. Il va me boire cul, il va dire what the fuck, bro. Viens, les deux.
Vraiment des le cirque panneur de Montpellier quoi. T'es first. Ah t'es en full heavy. J'ai envie de tester un truc en fait moi. Là je me fais OS. Y'avait pas un deuxième? Il compte pas, il compte pas ces ports là. En fait ça sert à rien de prendre de l'armure. Y'a pas de bonus d'armure. Enfin, si quoi que si, bah si. Bien sûr que si, Juice. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Bien sûr que si, il y a des bonus d'armure. Mais je veux dire pour les mobs. Enfin, je sais pas, peut-être. Après, le truc, c'est qu'on perd. Là, je perds aussi le. Les stats de mes équipements de force en gros, mais bon, quand même des gros quoi 1000 en vrai. Ouais, speed bonus là, speed bonus tous les jours. Quelle vie. Là, je le colle quoi. C'est un peu mieux. Dégage déjà le Porz. Et... Ah nickel. Très perturbant de pas sound le Discord. Bah en fait c'est pas qu'il y a... C'est que personne ne parle en fait. Il y a juste personne qui parle en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Discord. Je suis juste mute moi, j'ai pas mute les autres. Je pense que c'est ce que je vais faire, hein. Je vais acheter les armes first. Hein. Il nous reste un port. Directement les gros là maintenant. J'ai peur de mon slip je pense. Non là il y a un loup alpha, j'ai pas envie de le pull. Faut que je chope un sanglier. Bon, il me faut un port. Je pense que c'est un peu en train de regarder ce qui se passe aussi. Il chill quoi. Ouais, c'est bon, il est là. Non, mais il était. En fait, quand ils sont hors de la zone, ils ne comptent pas. C'est pour ça aussi que c'est un peu chiant. Manu est en live. Pourquoi je joue tout seul? Il est en live Manu les potes ou pas du tout?
Bon, moi, il est pas en live. Je suis le seul qui est en live, c'est ça? Kamak est en live, Alpha aussi. Ok, ok. Stop, j'aurai plus tard. Ok. Ok, ok. On retrouve à poil dans une forêt terrible. Alors, salut Vrol. Bonjour, bonjour. Bah écoutez, on va continuer. Donc voilà. J'en vois un peu. Ouais, c'est un peu le début d'un mauvais film en effet. En vrai, l'aspect la off tank en fait ça ne veut strictement rien dire pour le moment. C'est juste qu'on n'est pas du tout une classe heavy qui porte un bouclier en tant que joueur Zerg GVG. En gros, on ne garde pas de bouclier. Donc off tank c'est plutôt un taf où on va venir avec des HP, pool et essayer de pack avec nos spells des joueurs adverses, en quelque sorte. Sauf que actuellement, avec le scale du PVP, si on met des points d'endurance, un niveau 12 peut nous tuer. En fait, vu que les points de vie sont faits par pourcentage, et ben en fait, même si t'as 15 000 HP contre un niveau 12 qui a genre 1000 HP, vous voyez ? Et que toi t'en as 12 000 et que tu l'enlèves 10% de sa vie sur un coup de masse, bah ça restera 10% de ses 1000 PV, vous voyez ce que je veux dire? Alors que lui sur 12 000 ça sera 12, enfin, ça sera 10% de tes 12 000 PV. Donc le mieux étant de monter la force pour le moment, j'essaie d'avoir validation vis-à-vis de ça. Je trouve vraiment ça pas ouf. Donc on va voir. Donc là ouais je suis en full force ouais. Et après, je sais pas si elle scale bien, si jamais je tape sur un mec, est-ce que ça lui fait vraiment ce que je lui mets? Parce que bon. Ouais, il me met 1200 quoi. Niveau 14, il me met 1200. Au secours. Ouais, bah c'est ce qu'il se disait, hein. C'est pour ça que j'en le mettrais. Et c'est pour ça du coup que le mec level 28 était top dégâts. Il me faudra aussi une validation à 100% de sage. Bah je vais demander, mais c'est ce qui a été dit juste avant que le GVG commence en fait. Et le truc c'est que moi j'étais en mode... Hein? C'est clairement en mode comme ça quoi. Par contre il y a du stuff plaque ici ou quoi? En fait je comprends pas. Il y a heavy, alors attends, medium. Donc là il y a le heavy, ok. Donc ça fait une part. Ça c'est quoi? Ça c'est medium, ok. Medium. Ça c'est medium. Ça c'est quoi? Heavy, ok. Medium. Ah, on va avoir ce skin là. Attends, mais du coup la tête c'est quoi? On va avoir... Ah, d'accord. Je vais... En fait, je vais avoir juste le même skin que Zera. Mais avec des armes au corps à corps. Ok, je vais être... Ok, j'avais pas, je pensais pas que ça allait être un truc du style.
Et je regarde juste pourquoi des fois... En fait, des fois, ça m'en fout, je reçois des trucs. Mais il y a personne qui m'a envoyé un truc. Bon, mais du coup, go, en fait. Juste go faire la même chose encore et encore jusqu'à avoir le full skin plague. Et une fois qu'on aura le skin plague, bah on verra ce qu'on fait. J'ai envie de marcher, les amis, sur le jeu et aller découvrir des choses que j'ai pu rencontrer sur la preview et d'aller voir de nouvelles zones. Donc je pense qu'une fois que j'aurai ce qu'il faut, je partirai à l'aventure. Voilà. Ouais, les items coûtent super cher, mais c'est normal. C'est les derniers qui vont pouvoir te permettre de faire peut-être le début des donjons 60, tu vois. C'est pour ça aussi. Donc on verra bien. Là, c'est en mode médecin de la peste. Ouais, en gros, c'est ça. Donc en gros, tous les syndicates ont le... Mais c'est bizarre parce que nous, à l'époque aussi, on avait ça. Passe pour faire des roulades. À l'époque, nous aussi en Mordor, on avait de la peste aussi. Non, c'était un skin que j'avais loot, moi. Il doit y avoir des lores. Il y a des lores assez compliquées, à ce que j'ai compris. La dernière fois, Kamak m'a parlé. Genre, le lore le plus simple, c'est. Le lore le plus simple, c'est les jaunes. À ce que j'ai compris. Vis-à-vis de ce qu'il avait dit. Mais il y a énormément de lore hein, dans le jeu, hein, en vrai. Hein. Ah, c'est juste qu'on ne prend pas la peine du tout de le découvrir. Après, le problème aussi de suivre du lore, c'est le suivre quand c'est bien traduit, en quelque sorte. C'est ça le problème qu'il y a. C'est quoi qu'il avait dit ici en lange? Hop, on coupe. Le problème du lore de ce jeu, c'est seulement une utilisation d'art cinématographique pour le mettre en un combo. Oui, mais après, il faut essayer de comprendre que, à un moment donné, enfin voilà, faut pas que ça revienne toujours. Après, c'est sûr qu'un jeu comme New World, actuellement, il nous apprend pas grand chose de plus parce que c'est des choses qu'on a déjà découvertes sur beaucoup de choses. Ce qui est plaisant, c'est que ça soit réuni, en quelque sorte. Donc ça, c'est, par contre, c'est grave. Je vais prendre le truc parce que ça me saoule de repasser dedans. Moi, c'est ça que je trouve sympa. C'est des choses qu'on connaît, mais qui, du coup, ont été réduites ou améliorées d'une certaine façon. Et du coup, c'est assez plaisant, en vrai. Je dirais pas qu'il est l'alpha des prochains MMO ou quoi, mais c'est quelque chose d'assez intéressant tout de même. Pense quoi des problèmes internes chez Blizzard en ce moment? Aucune idée, ça fait... Je sais pas. Aucune idée, gros. Et de la fuite. De la fuite vers... C'est quoi? Ça veut dire quoi, ça fait un tourie? Le jeu à la sortie, c'est une fois 40 euros mensuel. C'est quoi le modèle? Ah non, c'est pay to play. Un pay to play. Tu achètes, tu joues. Tu achètes, tu joues. Un buy to play. Final Fantasy 14. Oui, mais c'était quoi le truc avec Blizzard? Final Fantasy, la fuite. Ah, la suite, pas la fuite, du coup. Bah écoute, je sais pas, c'est pas du tout un jeu que j'ai joué dernièrement. Après, j'avais bien aimé les petites OP qu'on avait eu avec Square Enix et tout. Les gens avec qui je jouais étaient vraiment cool. Et après, moi, l'univers Final Fantasy, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire que
j'avais acheté un compte, j'avais monté un personnage et tout de moi-même que jouais avec le compte de l'OPSP, le samouraï, le fameux samouraï que j'avais énormément kiffé. Du coup, j'avais acheté un compte, j'avais mis du temps de jeu et j'étais parti tout simplement à la découverte avec un de mes amis sur le jeu. Et c'était super intéressant en vrai. Mais pour le reste, enfin pour la sortie, j'ai encore rien vu, je dois avouer. J'ai vraiment rien vu. J'en ai entendu pas mal parler en soi-disant bien. Mais du coup, j'ai pas du tout joué moi de mon côté. Pourquoi je me balade nu? Est-ce qu'il fait grave chaud, gros, mon Paul là? Oh, trop chaud, Montpellier là. Maman, trop chaud. En fait, vu que mon stuff est plaque, je peux pas faire de roulade. Et en gros, il y a des petits tricks quand tu fais des roulades avec un swap d'armes de pouvoir vraiment aller vite en train de faire tes quêtes. Donc c'est vachement intéressant, surtout quand tu dois faire de la répétition et que tu dois te déplacer assez rapidement. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je suis à poil. À poil. Poil. Simplement. Si. Hop, de l'azote, let's go. J'ai entendu un cochon, je crois. Tous mes potes m'ont lâché, quoi. Ah. Hop, hop. En vrai, tant mieux qu'on a pu faire la voir ce soir, c'était cool. Je cherche un dernier sanglier avant de pouvoir partir. Et du coup, chat, vous en pensez quoi là actuellement du jeu par rapport à ce que vous avez vu et tout? Dites-moi un petit peu. Hop. Est-ce que genre quand vous donnez votre avis, est-ce que vous pouvez dire genre si vous pouvez y jouer ou pas? En fait, j'aimerais bien savoir ceux qui y jouent et ceux qui jouent pas, ce qu'ils en pensent en vrai. Je vais juste acheter un PC en fait. Ah ouais, ok, on en est là du coup. J'aime pas le modèle pour XP, pas assez d'options. C'est vrai qu'il y a ce problème là, je suis complètement d'accord avec toi. J'espère qu'il y aura des choses dessus. Je crois qu'ils ont augmenté le temps de repop des mobs de certaines quêtes, c'est trop long d'attendre des minutes. Ouais, il y a eu ces problèmes là, ouais, ce que j'ai entendu aussi. Je crois que c'est Tonton qui a eu des problèmes avec des quêtes où genre il y a des mobs qui ne viennent pas, ou genre ils arrivent, ils se font pull et tu peux pas les tag du coup. Tu fais comment pour pex aussi vite? Le tableau. Les quêtes de tableau en fait, tout simplement. Non, monsieur. Pourquoi il vient pas audio? Zéro quête de faction du coup. Zéro quête de faction, c'est-à-dire. Les quêtes de faction sont des quêtes PVP. Après, t'as des quêtes aussi. Qui ne sont pas que celles-là. On va dire que celles-ci rapportent, en plus de ça, des jetons PVP. Enfin, de la faction PVP pour pouvoir t'acheter du stuff. Moi, je trouve que les quêtes donnent pas trop d'XP. Et du coup là on est un peu forcé d'avoir joué ce petit mode en mode tableau pour essayer de pex un maximum. Donc en vrai ouais les farmers crafters peuvent pex assez vite. Une personne qui a beaucoup de gold peut pex assez vite. Mais comment du coup on pourrait pex sans qu'il y ait tout ça? Et on a bien vu qu'à certains moments c'était tout de même un peu long. Après un mémo se doit d'être long aussi quoi. Ah non, tranquille, pas que je suis en mode let's go.
Ça, je peux parler, je peux prendre mon temps et tout, y a aucun problème. Je serai plus tard si jamais on peut se taper sur la gueule. J'aimerais bien aller voir un petit peu les maîtrises et tout un peu plus haut. Plus de types de bois, je trouve que ça serait pas mal. J'ai pas vu parce que quoi, là j'imagine que... Oui, ça va être du mur, c'est ça, nature. Ouais. Et après, imaginez plein d'arbres différents. Après, il y a des arbres différents, mais... On reste quand même sur des choses qui sont tier 1, tier 2, tier 3, tier 4, tier 5, pardon. Ensuite, des bois spéciaux vis-à-vis de certains items. Peut-être du bois enchanté, du bois, je sais pas, de mort. Enfin, 35 heures de jeu sans tableau, je suis niveau 28. Combien de maîtrise d'armes, Maître Zouglou? Le principe du métier, je trouve le principe d'avoir des armes de récolte avec plus... Je tire très bien, ça empêche de farmer le reste level 1. En termes d'herboriste, je trouve très bas le taux de loot des ressources tier 3. Donc potion est mieux. Plus de type de bois, je trouve, ça serait pas mal. Techniquement, level max en moins d'une semaine sur un même mot, c'est assez rapide en vrai. Mais en vrai, là, c'est juste... En fait, là, c'est juste que... Déjà, il y a les communautés qui donnent des PO. Donc ça reste quelque chose de quand même assez insane. Hein. Mais ça veut dire aussi qu'une personne qui sait gérer des gens et tout ça au niveau de revenus peut vraiment faire build. Genre, par exemple, imaginez, j'arrive à la release, 4-5 jours de retard. Okay. J'arrive, les mecs m'ont préparé full ressources, je fais des tableaux, je prends full level. Voilà. C'est ça le truc. Par contre, j'aimerais bien... C'est combien là, les trucs? Donc là, il y a du médium. Attends, mais du coup, on est d'accord que j'ai pas vu un seul heavy. Enfin, là, il y a le heavy. Non, même pas. Il n'y a pas un seul heavy. Perso 60 heures pour level 30 avec arme level 16. Ouais, voilà. Enfin, level 30, compétence niveau 16, c'est fou. Hein. Moi, là, mon arme, mon âge vient de proc 16. Hein. En fait, c'est ça. En gros, Zera, il a ça. Et ça en épique. En médium. Donc, intelligence et focus. Et pour le reste, je sais pas. Je crois que c'est full bleu, hein, tout de même. Hein. C'est que les armes épiques. Hein. Ouais, chaque section... Ouais, c'est ça, exact. Et du coup, côté... C'est ça. C'est ça, exactement. Ça coûte quand même 15 000... Ouais, bah 15 000 jetons, on a sur le prochain passage. Hein. C'est quoi le serveur le plus fou les faire? J'en ai vraiment aucune idée. Par contre, il faut vraiment qu'il fasse un truc vis-à-vis du... Zeus! Aussi, Overfall, augmenter les ateliers, au cœur, etc. Là, c'est en pleine... Il faudra voir, mais ouais, je vais essayer de monter ça par la suite.